Jessica Thivenin, Mylon se blesse au visage à cause d'un jouet. La belle Jessica Thivenin a filmé les blessures que son fils Mylon s'est fait lui-même en jouant avec ses nouveaux jouets. Alors que Mylon était en train de jouer, le bébé de Jessica Thivenin s'est malencontreusement blessé au niveau du visage. MCETV vous en dit plus. Depuis qu'elle est devenue maman, Jessica Thivenin a l'habitude de partager son nouveau quotidien avec ses abonnés sur ses réseaux sociaux. Ainsi, ce samedi 6 juin 2020, la maman a filmé le visage de son fils. Et pour cause, ce dernier s'était blessé avec ses jouets. Il avait donc le visage recouvert de petites marques. Ce qui a quelque peu inquiété sa maman, qu'est-ce que c'est que toutes ces blessures, a-t-elle déclaré. Jessica Thivenin a ensuite relativisé, Thibaut a paniqué parce que le bébé a un peu saigné de la bouche. J'ai dit à Thibaut, panique pas, il en verra d'autres. Il va se faire des blessures encore plus tard, ce sera un cow-boy. Jessica Thivenin, une vraie maman cool. La veille, la maman avait posté une photo du nouveau tapis de jeu de son fils sur Instagram. À votre avis, qui kiffe le plus ce nouveau terrain de jeu? Avait-elle écrit, tandis que sur la photo on pouvait voir Mylon, Jessica ainsi que ses deux chiens. Évidemment, les internautes ont, comme à chaque poste de Jessica Thivenin, répondu présent dans les commentaires. MCETV vous propose donc d'en découvrir quelques-uns ultra adorables. Le fameux tapis de jeu où Mylon s'est fait mal, mais trop adorable cette photo. Jessica est tellement une bonne maman. C'est la seule qui n'a pas une nourrice en permanence. Pas comme Nabila ou encore Jazz. Peut-on ainsi lire sur le réseau social de la jeune femme? Des commentaires ultra bienveillants qui à coup sûr lui feront très plaisir. On vous laisse donc voir le cliché en question ci-dessous.